C'est aujourd'hui que Maman Pig va sauter en parachute. Je ne sais toujours pas si j'ai vraiment envie de le faire. Dites-vous que c'est pour une bonne cause, Maman Pig. D'accord, mais je n'ai jamais sauté en parachute de ma vie. N'ayez pas peur, vous allez prendre des cours avant de vous lancer. Bonjour, Maman Pig. Monsieur Rabbit est le moniteur de parachutisme. Ceci est un parachute. Il va vous permettre de flotter dans les airs après avoir sauté. Dois-je m'entraîner, selon vous? Vous entraînez à quoi? À sauter. Oui, pourquoi pas. Bien, vous êtes très doué. C'est tout, Monsieur Rabbit? Oui, vous voilà surentraîné maintenant. Bravo! Montez dans l'avion! J'avoue que j'ai encore un petit peu peur de sauter, Papa Pig. Tout se passera bien, mais je vais t'accompagner si ça peut te rassurer. Bonne chance, Maman! N'aie pas peur, Maman Pig. N'oublie pas que tu es douée en parachutisme. Oui, oui, Papa Pig. Wow, nous sommes vraiment loin du sol. Oh. Zut alors, Papa Pig est tombé de l'avion. Oh, je l'aperçois. Non, attendez, c'est Papa Pig. Oh. Attends-moi, Papa Pig. Youhou. Maman Pig vient de sauter. Elle va porter secours à Papa Pig. Je te tiens. Oh, elle a réussi. Ouais. Ma maman, c'est la plus forte. Merci de m'avoir sauvé la vie, Maman Pig. Oh, c'est pas vrai. Je sens que tu m'échappes. Monsieur Boule a terminé de réparer la toiture de l'école. J'ai fait du bon travail. Cette fois, ils seront tranquilles pour plusieurs années. Je ne peux plus te tenir. Pourvu qu'il ne se soit pas fait mal. Oh, oh, ce n'est pas une égratignure. Les enfants, aujourd'hui nous allons avoir une visite particulière. La police va venir ici spécialement pour vous. Oh, les voitures de police ont des sirènes lumineuses qui font Nina, Nina, non, Nina. Ça fait Dido, Dido, non, Dido. Et les voitures de police font Wouh, Nina, Nina, Nina. Oui, Nina, oui, laissez-moi Nina. Terminer. Ce que je voulais vous dire, c'est que... Youpi, voilà la police. C'est la police qui arrive. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est ainsi que la police dit bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis l'agente de police Squirrel. Et moi, l'agent de police Panda. Nous sommes venus vous voir pour vous apprendre à faire du vélo en toute sécurité. Oh. Bien, montrez-nous comment vous vous débrouillez. Regardez devant vous. Pensez à garder vos yeux et vos oreilles grands ouverts. Et stop! C'est très bien, les enfants. Maintenant, imaginez que vous fassiez du vélo tout seul et que tout à coup, un piéton surgisse devant vous. Que feriez-vous? Je ferais sonner ma sonnette. Bonne réponse. La sonnette est le moyen qui vous permet de signaler votre présence. Pouvez-vous nous montrer que vous savez faire marcher votre sonnette? Moi, je n'ai pas de sonnette. J'ai un klaxon. Le klaxon est tout aussi efficace que la sonnette. Peux-tu, s'il te plaît, donner un tout petit coup de klaxon pour que nous puissions... Oh! Oui, le bruit est suffisamment fort pour prévenir les piétons de ta présence. Passons maintenant à la dernière partie de la leçon. Où va l'agent de police Panda? Oh, l'agent de police Panda est allé garer la voiture en bas de la colline. Agent de police Squirrel, allô? Tu me reçois? À toi. Je te reçois 5 sur 5. À toi. La police. Pour continuer la visite, nous devons traverser le pont. Stop! Interdiction de traverser. Regardez, il y a un grand bateau qui arrive. Oh là là, il va se cogner contre le pont. Oh! Le pont est en train de se soulever. Wow! Le Tower Bridge se lève pour laisser passer les grands bateaux. Maintenant que le bateau est passé, nous allons pouvoir poursuivre notre route. S'il vous plaît, pouvez-vous baisser le pont? Je regrette, Votre Majesté, mais vous devrez attendre le passage d'un second bateau. Trop, c'est trop, Madame la policière. Nous n'allons pas non plus y passer la journée. Cramponnez-vous, les amis.
Le bus se balance sur une des moitiés du pont. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Ne vous inquiétez pas, je viens d'avoir une idée lumineuse. Que tout le monde se regroupe à l'avant du bus. D'accord. Super. La reine est une excellente conductrice de bus. Appréciez-vous la visite, les enfants? Oui. Les bus décapotables, c'est vraiment génial. Pourquoi est-ce que tous les bus ne sont pas pareils que celui-là? Il se met à pleuvoir. Ah, d'accord. C'est pour ça que tous les bus ne sont pas pareils que celui-là. Les enfants, c'est le moment d'ouvrir vos parapluies. Il est vivement recommandé d'apporter un parapluie quand on visite Londres. Prochain arrêt, Trafalgar Square. Oh, comme c'est dommage. Trafalgar Square est couvert de flaques. Ça tombe bien, on adore les flaques. Allez-y, votre majesté, sautez avec nous. Ça semble amusant, d'autant que sa majesté porte ses bottes royales. La reine adore sauter dans les flaques londoniennes. Tout le monde adore sauter dans les flaques londoniennes. Monsieur Boule, qu'est-ce que vous faites à notre terrain de jeu? Nous creusons un trou, Peppa. Oh. Monsieur Boule adore creuser des trous. Bonjour. Papa, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je travaille avec Monsieur Boule. Oh. Apparemment, c'est Monsieur Boule qui fait tout le travail. Il ne fait que construire le terrain de jeu. Moi, je fais le plus difficile, la conception. J'ai pu réaliser ce projet grâce à la science. Ça a l'air très intéressant ce que vous faites, Papa Pig. Tout à fait. Auriez-vous la gentillesse de donner un cours de science aux enfants? Avec grand plaisir, Madame Gazelle. Nous allons commencer par réaliser une expérimentation. Mais c'est quoi une expérimentation? C'est une façon de trouver des réponses aux questions que nous nous posons. Exemple, combien d'enfants faut-il pour réussir à soulever Madame Gazelle? 90! 190! Tout ça, ce ne sont que des suppositions. C'est quoi la réponse exacte? Je l'ignore, mais nous pouvons réaliser une expérimentation pour le découvrir. Qui veut essayer de soulever Madame Gazelle? Moi! Moi! Je n'arrive pas à la soulever. Madame Gazelle est trop lourde pour être soulevée par un enfant. Alors, nous allons essayer avec deux enfants. Elle est vraiment super lourde. Madame Gazelle est trop lourde pour être soulevée par deux enfants. Alors essayons avec trois enfants. Super. Il faut trois enfants pour pouvoir soulever Madame Gazelle. Vous voyez que la science, ce n'est pas toujours compliqué. C'était rigolo. Passons à une autre expérimentation. Ouais. Empilez les cubes pour former une tour. C'est très bien, bien que la tour ne semble pas très stable. Oh. On peut quand même aller au bord de la mer aujourd'hui, pas vrai? Eh bien, voyons d'abord quelle quantité de neige il est tombé. Oh, papa a disparu. Oh, regardez, un bonhomme de neige qui marche. Qu'est-ce que j'ai froid? C'est un bonhomme de neige qui marche et qui part. Oh non, c'est seulement papa. Pauvre papa, réchauffons-le les enfants. Maman Pig, Peppa et Georges réchauffent papa Pig en le frottant avec des serviettes. Je me sens beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'on peut partir à la mer maintenant? Mais j'ai bien peur que le car ne circule pas aujourd'hui à cause de la neige, Peppa. Ah bon? Le car de Mademoiselle Rabbit s'arrête devant la maison de Peppa. C'est incroyable! Comment faites-vous pour rouler avec toute cette neige? Grâce à mon rabot de déneigement! Un rabot de déneigement pousse la neige de chaque côté de la route. Bonjour à tous! Bonjour Peppa! Tous les amis de Peppa vont aussi à la plage. Prochain arrêt, le bord de mer! Youpi! Monsieur Boule et ses collègues répandent du sable sur la route pour faire fondre la neige. Bonjour, Monsieur Boule. Mouh! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Nous y avons passé la nuit entière. Mais à présent, la route qui conduit à la mer est entièrement dégagée. Tant mieux! Nous allons à la mer, justement. Voulez-vous venir avec nous? Non, merci, Mademoiselle Rabbit. Il nous reste encore d'autres routes à sabler. Au revoir, Monsieur Boule.
Au revoir, je vous souhaite de passer une bonne journée. On va passer la journée au bord de la mer, château de sable baignade et paléo. On va passer la journée au bord de la mer, plage, rosette et glace à l'eau. Nous y sommes, tout le monde descend. La plage est entièrement recouverte de neige. Zoé, Pedro et Rebecca se cachent derrière une clôture. Suzy et Émilie se cachent derrière un buisson. 9, 10, attention, me voilà. Je sais où vous êtes. Oh. Oh. Peppa n'arrive à retrouver personne. Oh, zut alors, c'est trop difficile. Voilà Freddy Fox qui vient s'amuser. Bonjour Freddy. Bonjour Peppa, à quoi est-ce que vous jouez? On fait une partie de cache-cache. Mais je n'ai encore retrouvé personne. Est-ce que tu veux que je les cherche à ta place? Tu peux toujours essayer, Freddy, mais c'est trop difficile. Regarde-moi bien. Je vous ai retrouvé. Oh, bonjour, Freddy. Sortez de là. Oh. Bouh. Freddy Fox a retrouvé tout le monde. Comment est-ce que tu as fait, Freddy? Je possède un très bon odorat, Peppa. Qu'est-ce que l'odorat vient faire là-dedans? Si j'ai réussi à vous retrouver, c'est grâce à votre odeur. Mais je ne sens pas mauvais. J'ai pris un bon bain hier avant de dormir. Je sais, Suzy. Tu sens très très bon, d'ailleurs. Oh. J'aurais même été capable de te retrouver les yeux fermés. Alors vas-y. Fais voir comment tu retrouves Suzy les yeux fermés. C'est facile. Vite, vite, cache-toi, Suzy. 1, 2, 3, 4, Suzy cherche une cachette. 6, 7, 8, 9, 10. Attention, Suzy, me voilà. Freddy recherche Suzy les yeux fermés. Il sent par où elle est passée. Autour de l'arbuste, derrière le petit buisson, avant de remonter sur la colline. Je t'ai retrouvée. Oh. Et tout cela grâce à mon museau. Oh oui, c'est un super nez. Oui, Pedro. Papy Dog est fier de montrer sa dépanneuse. Je vais vous faire écouter le son que fait ma dépanneuse. Maman Sheep expose le camion de pompiers. Mais voici le son que fait le camion de pompiers. Et Mademoiselle Rabbit expose l'hélicoptère de sauvetage. Voici le son que fait mon hélicoptère. Hélicoptère, décollage, hélicoptère, décollage. Oh. Voulez-vous que je vous emmène faire un tour? Oui, s'il vous plaît. Très bien, montez à bord. Quel dommage, il n'y a plus de place pour moi. Tant pis, je vous regarderai d'ici. Papa Pig a le vertige. Youpi, on va voler dans le ciel. Oui, il peut monter à la verticale. Ou bien descendre à la verticale. Oui. Et il peut même faire des loopings. Pauvre papa, il ne sait pas ce qu'il rate. Oui, pauvre papa. Une glace, s'il vous plaît. Comme elle est bonne. Nous devrions nous poser maintenant. Appel d'urgence, demandons l'aide de l'hélicoptère de sauvetage. J'arrive tout de suite. Vous avez de la chance, nous avons une mission à remplir. Monsieur Boule creuse un trou dans la route. Mouh! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Pourriez-vous retirer cet énorme tuyau métallique, s'il vous plaît? Bien sûr, Monsieur Boule. Comment allez-vous soulever cet énorme tuyau? Avec mon énorme aimant. Qu'est-ce que vous allez faire du tuyau, Madame Rabbit? À vrai dire, je ne le sais pas encore. J'ai trouvé! Je vais le poser là pour que Monsieur Taureau puisse le retrouver facilement. Oh! À présent, je vais vous ramener chez vous. Georges s'amuse avec sa fusée en plastique dans sa chambre. Georges, j'ai décidé d'apprendre à siffler. Il faut former un O avec les lèvres et
ensuite, il faut souffler. Ne t'inquiète pas, Georges, c'est presque impossible à faire, comme bouger les oreilles, par exemple. Georges sait bouger les oreilles. Siffler, c'est plus difficile. Georges sait aussi siffler. Oh. Qu'y a-t-il, Peppa? Je suis triste parce que tout le monde sait siffler dans la famille sauf moi. Ce n'est pas grave, je suis en train de faire des gâteaux. Tu veux lécher la cuillère? Je n'en ai pas très envie, maman. Est-ce que je peux téléphoner à Suzy à la place? Mais bien sûr, Peppa. Bonjour, Madame Pig. Bonjour, Madame Sheep. Peppa souhaiterait parler à Suzy. Allô, Suzy? Bonjour, Peppa. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'apprendre à siffler, mais je n'y arrive pas encore. Cela semble difficile. C'est même impossible. Est-ce que tu sais siffler, Suzy? Non. Tant mieux. Enfin, c'est dommage que tu ne saches pas siffler, mais cela me rassure de savoir que tu es comme moi. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait. Tu dois former un O avec les lèvres et tu dois souffler. Comme cela? Allô? Peppa! Les gâteaux sont cuits! Super! On va se régaler! Ils sont brûlants, alors soufflez dessus avant de les manger. Oh oui! Oh, oh, oh. Tu ne veux pas y goûter, Peppa? Non, non, merci, maman. Je vais aller faire un petit tour dehors parce que je sens que j'ai besoin d'être seule un moment. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes là? Depuis mardi. Un. Oh, j'ai des tas d'histoires à vous raconter, si le cœur vous en dit. Non, merci. Oui, s'il vous plaît. Alors voilà, il y a la mer et le ciel et le... Et je me suis mis au banjo. Vous voulez que je chante? Non, merci. Oui, s'il vous plaît. Chaque fois que je me lève, la mer est là et le ciel aussi. La mer, le ciel, la mer, le ciel. Voici du fromage. Oh, depuis le temps que j'en voulais. Et un livre qui vient de paraître. Comment être un bon gardien de phare? Cela peut toujours servir. Oh, et pourquoi est-ce que votre maison s'appelle un phare? Suivez-moi, je vais vous montrer. L'escalier monte en colimaçon jusqu'en haut du phare. L'escalier tourne, tourne et tourne. Cela s'appelle un phare parce qu'il possède un très puissant système d'éclairage à son sommet. Wow. Il brille pendant la nuit, ce qui permet aux marins de se repérer. Wow. Et quand il y a du brouillard, j'utilise cette corne de brume. Brouillard! Vous criez fort! Il n'y en a pas aujourd'hui, juste la mer et le ciel. L'histoire que je voudrais vous raconter... Non merci, nous devons partir. On a prévu d'aller sur l'île aux pirates aujourd'hui. Au revoir, Fabi Rabis. Profitez bien de la mer et du ciel, les enfants. Promis. Le bateau de Papy Dog accoste sur l'île aux pirates. Regardez, notre château de sable est toujours debout. Faisons une partie de cache-cache. D'accord. Un, deux... Il n'y a pas beaucoup de cachettes sur l'île aux pirates. Cinq. Attention, les enfants. Ne bougez plus. J'en ai trouvé deux. Oh. Et maintenant, cherchons Georges. Papy Dog le cherche partout, mais il ne le trouve nulle part. J'abandonne les recherches, où peut-il être? Georges s'était caché derrière Papy Dog. Sacré petit malin. C'est en volant qu'elle se déplace et qu'elle fait de l'exercice. Qui peut me dire de quoi d'autre Peggy a besoin pour rester en bonne santé? Elle a besoin de manger. Oui. Elle a besoin de boire. Tout à fait. Elle a besoin de respirer un peu. Bonne réponse. Elle a besoin de dormir. Exactement. Pardon, Madame Gazelle, je me suis pas réveillée. Oh, Pedro. On peut dire que tu aimes dormir. C'est vrai, Madame Gazelle. Dans cette boîte, j'ai un animal qui aime dormir lui aussi. Cela s'appelle une tortue. Oui, voici Titine la tortue. Bonjour, Titine. La tortue est un animal qui passe tout l'hiver à dormir. Oh.
pourquoi est-ce qu'elle porte une espèce de coquille sur le dos? Cela s'appelle une carapace. C'est sa maison où elle se cache quand elle a peur. Est-ce que l'un de vous aimerait la caresser? Oui, s'il vous plaît. N'aie pas peur, Titine. Est-ce que vous savez quel âge a Titine? Bien sûr, Titine a 33 ans. Oh, elle a l'âge de ma maman. Mais les tortues sont des animaux qui sont capables de vivre jusqu'à 100 ans. 100 ans, c'est l'âge de mon grand-père. Pourquoi est-ce qu'elle bouge aussi lentement? C'est parce qu'elle doit porter sa maison sur son dos. Doctoresse Hamster, regardez, je crois que Titine est en train de s'échapper. Elle ne risque pas d'aller bien loin. Oui, c'est à cause de sa lenteur. J'ai un autre animal à vous montrer, les enfants. Dinosaure. Oh, Georges, mais pourquoi tu n'as que ce mot à la bouche? Oh, c'est bien un dinosaure. Oh. Non, les enfants, ce n'est pas un dinosaure. Voici Lulu, le lézard. Bonjour, Lulu. Oh, vous avez vu ça? Il a des écailles comme les dragons. Est-ce qu'il crache du feu, lui aussi? Pas du tout. Par contre, il possède une langue très, très longue. Wow! Voyons si j'ai un livre sur les pendules. Ah! J'ai trouvé tout savoir sur l'horlogerie. Papy Pig a réparé le coucou. Youpi! Maman Pig est venue chercher Peppa et Georges. Maman, grand-père cochon a réussi à réparer le coucou. Ah, c'est bien. Qu'est-ce que c'est? C'est mon ancien ordinateur. Je ne peux pas réparer ce genre de choses. Oh, il n'est pas en panne, mais comme j'en ai acheté un neuf, j'ai pensé vous donner celui-ci. Et je ne suis pas vraiment sûr d'en avoir besoin. Oh, un ordinateur. À quoi sert-il? Eh bien, on peut taper des lettres, par exemple. Attends, je vais te montrer. A, B, C, D. Ainsi que des chiffres. 1, 2, 3. J'ai peur que nous l'endommagions en appuyant sur le mauvais bouton. Rassure-toi, cela ne risque pas d'arriver. Il faut juste éviter de lui donner à manger du lait, des gâteaux ou de la confiture. Mais vous allez voir ce que je préfère. Cela s'appelle Bouboule la poule. À chaque fois qu'on appuie sur ce bouton, elle pond un œuf. Je suis super forte à ce jeu. Mais c'est Georges le meilleur. Finalement, nous devrions peut-être garder l'ordinateur, n'est-ce pas, Mamie Pig? Au revoir! Au revoir! Et si nous allions nous mettre au travail sur l'ordinateur dès à présent? D'accord. Allons taper des lettres et des chiffres comme Peppa nous a montré. Maman! Papa! C'est Noël! Quoi? Il est encore trop tôt, Peppa! Allez plutôt souhaiter un joyeux Noël à Mamie et Papy Pig. Tout le monde sur le pont! Aujourd'hui, c'est Noël! Il est seulement 3 heures du matin! Mais le Père Noël est déjà passé! Peut-être qu'il est encore dans la maison? Non, le Père Noël n'est plus là! Regardez, l'assiette et le verre sont vides et la carotte a disparu! Il ne reste que quelques miettes! En effet, le Père Noël adore les gâteaux aux fruits secs! Et il y a des gros cadeaux au pied du sapin. Je lui ai commandé une poupée. Est-ce qu'on peut les déballer tout de suite? Un peu de patience, ma chérie. Nous les déballerons après le repas de Noël. Bon, d'accord. Toute la famille est réunie autour de la table pour le repas de Noël. Ouvrons les pochettes surprises. Il y avait une couronne en papier à l'intérieur. Et un serpentin sifflet. Et une devinette. Qu'est-ce qui a des pédales et qui vole? Je n'en sais rien du tout. Un vélicoptère. Ce gâteau de Noël est vraiment délicieux. Peppa et Georges m'ont aidé à le préparer. Oui, maman, et c'est nous qui avons fait la pâte. Avez-vous pensé à faire un vœu? Oui, je fais le vœu. Il ne faut pas le dire. Allons déballer les cadeaux à présent. Youpi! Alors, celui-ci est pour Georges.
C'est un circuit pour voitures de course. Cela m'a l'air difficile à monter. J'ai presque terminé. Cette pièce doit aller ici et la dernière là. Il ne reste plus qu'à placer les voitures. Faisons la course. À vos marques, prêts, partez. Papa et papy aiment jouer au circuit automobile. C'est le cadeau de Georges, n'est-ce pas? Je crois que la boîte suffit à son bonheur. Vroom, vroom, vroom. Oh, Madame Gazelle, regardez, Peppa s'est fait mal en tombant. Ce n'est qu'une petite égratignure, Peppa. Madame Gazelle commence par désinfecter la plaie. Ensuite, elle colle un pansement dessus. Tu te sens mieux à présent? Oui, merci beaucoup. Dites-moi, les enfants, vous avez dû remarquer que Pedro Pony est absent aujourd'hui. Il est encore en retard? Non, Suzy, votre ami est actuellement à l'hôpital. Oh. Alors nous allons lui rendre une petite visite. Voici l'hôpital. Peppa et ses camarades sont venus rendre visite à Pedro Pony. Rappelez-vous, les enfants, restez bien à côté de moi car je ne voudrais pas vous perdre. Oui, Madame Gazelle. Excusez-moi, Monsieur Boule, où se trouve le service où l'on soigne les enfants? Descendez les marches, poussez la porte droite, gauche, droite, longez le couloir, montez les escaliers, c'est la troisième à gauche. Oh! Ou alors vous n'avez qu'à prendre l'ascenseur. Nous y sommes. Pedro doit sûrement dormir. Les malades qui doivent rester au lit passent tout leur temps à dormir. Bonjour, les amis. Bonjour, Pedro. Pourquoi est-ce que tu ne dors pas, Pedro? En tout cas, tu n'as pas l'air malade. Je ne suis pas malade. Je me suis cassé la jambe, alors le médecin a décidé de la mettre dans le plâtre. Waouh! Grâce au plâtre, la jambe de Pedro va guérir plus vite. Je me suis blessé le genou et regarde, j'ai un pansement. Waouh! Vous pouvez tous faire un dessin sur mon plâtre si vous voulez. Avec plaisir! Tous les enfants font un dessin sur le plâtre de Pedro. Moi, j'ai dessiné un ballon de football. Et moi, une fleur. Et moi, Monsieur Patate. Et moi, un perroquet. Et moi, j'ai dessiné une flaque de boue. Waouh! Merci, merci à tous. Si tu veux, tu peux faire un dessin sur mon pansement, Pedro. D'accord. Je vais faire une petite fleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, amusez-vous bien. La chasse aux œufs en chocolat de Papy Pig est ouverte. As-tu le temps de prendre une tasse de café, Papy Pig? Oh, oh, oui. Les enfants ne sont pas prêts de retrouver mes œufs en chocolat parce que je les ai très bien cachés. Oh, voilà. Peppa a trouvé un œuf dans un pot de fleurs. Oh, en voilà un autre. Rebecca Rabbit a trouvé un œuf qui était caché dans un buisson. Youpi! Celui-là est pour moi. Émilie Éléphant a trouvé un œuf qui était caché sur la branche d'un arbre. À mon avis, ça c'est une odeur de chocolat. Freddy Fox a un odorat très développé. Gagné! Freddy Fox a trouvé un œuf en chocolat dans une vasque pour les oiseaux. Papy! Papy! On s'est drôlement bien amusé. Mais c'était un peu trop facile quand même. Je ne pense pas que les petits aient trouvé cela facile. Georges, Richard et Edmond n'ont pas retrouvé un seul œuf. Je me demande où sont cachés les autres œufs. Oh! Nos coquelins! Ah, Edmond! Il me semble qu'il y a quelque chose derrière ton oreille. Chaque enfant a trouvé son œuf en chocolat. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, Papy Pig? Vous les mangez, voyons. Bonjour les enfants. Mamie, mamie, on a retrouvé tous les œufs en chocolat. Eh bien, où sont-ils? Je n'en vois aucun, moi. Ils sont dans notre ventre maintenant. Et autour de votre bouche. Mais... Moi, j'ai choisi le bongo de forme plate. Cela s'appelle un boran. C'est irlandais. Tu tapes dessus avec la baguette comme ceci. Moi, j'ai choisi le tambourin. C'est
Très bien, Pedro. Tu peux aussi le secouer comme ceci. Oh! Moi, j'ai choisi le gros tambour. Cela s'appelle une grosse caisse. Miaou. Je ne sais pas comment le mien se nomme, mais je sais comment on en joue. Cet instrument s'appelle un guiro. Il est constitué d'un racloir et il nous vient d'Amérique du Sud. Waouh! Comment il est arrivé jusqu'ici? Eh bien, je l'ai rapporté de vacances. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des maracas. Je les ai rapportés d'un magnifique séjour en Espagne. Mon instrument s'appelle un triangle. Si je le sais, c'est parce que mon papa en vend par boîte de 10. Merci, Freddy. Je tâcherai de m'en souvenir. Ce n'est pas la peine de partir en vacances pour en trouver. Merci. Et ça, qu'est-ce que c'est? Des castagnettes, Émilie. Mon papa vend exactement les mêmes par boîte de 5. Merci, Freddy. Olé! C'est de cette façon que l'on joue des castagnettes. Tiens, reprends-les, Émilie. Est-ce que je suis obligée de danser, Madame Gazelle? Non, contente-toi de les faire claquer l'une contre l'autre. Ah, je vois que Rebecca a pris les cymbales. Oui! Maintenant que chacun sait quel son émet son instrument, vous allez jouer tous ensemble. Attention! Vous êtes prêts? Partez! Stop! 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 Ce n'est pas de la musique que vous faites, c'est juste du bruit. Taper est à la portée de n'importe qui. Mais pour jouer de la musique, vous devez vous écouter les uns les autres et avoir le sens du rythme. Mais Madame Gazelle, je ne peux pas écouter les autres et jouer du bongo en même temps. Maman Rabbit, pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas? Mais si, je travaille, Suzy. Qui s'occupe de ces deux petits lapins, d'après toi? C'est toi, maman. Et vous pouvez m'aider, les enfants, en rangeant vos jouets avant que quelqu'un ne tombe en marchant dessus. Il doit s'agir de ma sœur. Bonjour! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Oh, tata! Je ne peux pas rester parce que j'ai beaucoup de travail qui m'attend aujourd'hui. Je dois faire la caissière du supermarché, la marchande de glace et la conductrice de bus. Passe une bonne journée, grande sœur. Toi aussi, petite sœur. Oups! Oh! Mademoiselle Rabbit a glissé sur l'un des jouets de Richard. Oh, ma pauvre cheville! Je peux toujours aller travailler à cloche-pied. Il n'en est pas question. Tu vas rester ici pour te soigner. Avec la journée qui m'attend, ce n'est pas possible. Eh bien, je vais te remplacer, voilà tout. Par quoi dois-je commencer? Par le supermarché. Entendu. Rebecca, occupe-toi de ta tante. D'accord, maman. Maman Rabbit est arrivée au supermarché. Ah, enfin vous voilà, Mademoiselle Rabbit. Elle s'est foulée la cheville. C'est moi qui vais la remplacer. Vous n'êtes pas Mademoiselle Rabbit? Non, je suis sa grande sœur, Maman Rabbit. C'est là que je dois m'asseoir? Oui. Avez-vous déjà tenu une caisse auparavant? Non. Combien coûte ceci? Oh, je l'ignore. J'ai un bon de réduction. Acceptez-vous les chèques cadeaux? Puis-je régler avec ma carte bancaire? Suzy Sheep a revêtu son déguisement d'infirmière. N'ayez pas peur, mademoiselle. Je ne suis pas une vraie infirmière. S'il vous plaît, tirez la langue en faisant ah. Vous êtes bien chez Rebecca Rabbit. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? C'est Maman Rabbit. Est-ce que tout va bien? Oui, oui. Tant mieux, parce que ce travail de caissière va me prendre la journée. Alors, qui va pouvoir vendre les glaces et conduire le bus? D'où peut venir ce vacarme? Serait-ce une alarme de voiture? Ou une sirène de pompier? Ah non, il s'agit de bébé Alexandre. Bonjour Peppa, bonjour Georges. Bonjour cousine Chloé. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tonton Pig. Bonjour. Bonjour tata Pig. Tu te souviens de bébé Alexandre, n'est-ce pas Peppa? Oui. Est-ce que vous comptez rester ici quelques jours? Non, ce sont les affaires dont Alexandre a besoin pour une journée. Nous ne pouvons aller nulle part sans emporter tous ces accessoires pour bébé. Oh. Coucou, mon petit bébé Alexandre. Il ne sait pas encore parler, Peppa. S'il ne parle pas encore, alors comment vous pouvez savoir ce qu'il veut? Nous essayons de deviner. Maintenant, je devine qu'il a envie de manger. Peppa, aimerais-tu donner à manger à Alexandre? Oui, s'il vous plaît. Il est l'heure de déjeuner pour bébé Alexandre.
C'est ta cousine Peppa qui va te faire manger aujourd'hui, Alexandre. Ouvre la bouche, bébé. Oh. C'est bon, tu sais. Oh, il n'arrête pas de détourner la tête. Ce n'est pas facile de donner à manger à bébé Alexandre. Je vais te montrer. Attention, le gros avion va atterrir. Tu sais, Peppa, Alexandre n'accepte de manger que si tu lui fais croire que la cuillère est un avion. À toi de jouer, Peppa. Le gros avion va atterrir. Ouvre la bouche, ou plutôt ouvre la porte. Youpi! C'était un avion, Alexandre. Répète après moi. Avion! Comme je te l'ai déjà dit, il ne parle pas encore. Il n'a toujours pas prononcé son premier mot. Peppa, te rappelles-tu le premier mot que tu as prononcé? Pas du tout. C'était « maman ». Je croyais qu'elle avait commencé par dire « papa ». Ah non! Ho, ho, ho! Bonjour, les petits enfants! Bonjour, Père Noël! Avez-vous tous été bien sages? Oui, oui! Rangez-vous votre chambre quand elle est en désordre. Oui, oui! Et vous? Bien sûr! Approchez-vous et dites-moi quel cadeau vous aimeriez pour Noël. Un ballon de football, s'il vous plaît. Je voudrais un xylophone. Un jeu de puce. Un coffret de magie, s'il vous plaît. Du tire-course. Vroom! Une balle en caoutchouc. Boum, boum. Un train, s'il vous plaît. Un train électrique. Non, pas un train électrique. Moi, ce que je voudrais, c'est un vrai train, Père Noël. Un train que je pourrais conduire et qui pourrait prendre de vrais passagers. Oh, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Je peux ranger mon cahier à présent. On ne vous a pas encore dit ce qu'on voulait, Père Noël. Je vous prie de m'excuser. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Peppa Pig. On s'est déjà vu, souvenez-vous? Oh oui, je suis ravie de te revoir, Peppa. Alors, que souhaiterais-tu pour Noël? Eh bien, moi, je voudrais une poupée qui parle et qui marche et qui ferme les yeux quand on la met dans son lit, s'il vous plaît, Père Noël. Moi aussi, s'il vous plaît, Père Noël. Très bien, c'est noté. Vous savez où on habite pour nous apporter tous nos cadeaux? Oh oui! Quel âge avez-vous, Père Noël? Plusieurs centaines d'années, mon petit chou. Qu'est-ce que je t'avais dit, Peppa? À très bientôt, Père Noël! Et n'oubliez pas de me laisser un gâteau près de la cheminée. Oui, on le sait. Et une boisson aussi. On mettra aussi une carotte pour les reines. Oh, oh, oh! Peppa et sa famille viennent de quitter la fête foraine de Noël. On a emporté nos valises avec nous. Parce que nous allons passer les fêtes de Noël chez Papy et Mamie Pig. Mais alors, le Père Noël ne va plus savoir où on est. Rassure-toi, Peppa, il n'y a pas de secret pour le Père Noël. Voici Papy Dog. Ohé, Papy Pig, belle journée pour une croisière. En effet, ohé, Papy Dog. Je vais laisser mon bateau au chantier naval aujourd'hui. Il a besoin de quelques réparations. Accepteriez-vous d'emporter aussi le mien jusqu'au chantier naval, s'il vous plaît? Naturellement. Où se trouve votre bateau? Il est juste sous mes pieds. Oh, oh, aurait-il coulé? Disons qu'il a pris un peu l'eau. À vrai dire, je suis surpris qu'il n'ait pas touché le fond beaucoup plus tôt. Quoi? Mon navire est en bien meilleur état que votre vieux tas de rouille. Papy Dog et Papy Pig sont les meilleurs amis du monde. Attrapez ceci, capitaine! D'accord, skipper! Le camion de Papy Dog a pu sortir de l'eau le bateau de Papy Pig. Waouh! Prochain arrêt, le chantier naval. C'est quoi un chantier naval? Il s'agit en quelque sorte d'un garage où l'on répare les bateaux endommagés. Voici le chantier naval de Papy Rabbit. Quelle surprise! Ohé, Moussaillon! Bonjour, 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 Papy Rabbit! Oh, mais qu'est-il donc arrivé à votre bateau, Papy Pig? Il a malheureusement heurté un poteau d'amarrage. On a entendu un crack et cela a fait un gros trou. Juste là. Vous ne devriez jamais laisser un autre que vous gouverner votre navire. C'est vrai. Pourrez-vous le réparer? Bien sûr. Je vais d'abord mesurer l'ampleur des dégâts. Papy Rabbit mesure le trou dans la coque du bateau de Papy Pig. Bon, maintenant il faut que je trouve quelque chose pour le boucher.
Vous devez être fier de savoir réparer les bateaux. Non, il faut des années pour apprendre ce magnifique métier. Depuis combien de temps vous réparez les bateaux? Des années. Maman, est-ce que je peux prendre des gâteaux pour mes amis, s'il te plaît? Mais bien sûr, vas-y, sers-toi. Merci, maman. Suzy Sheep a réussi sa mission secrète. Bravo! Chut! Bravo! Personne ne t'a vu au moins, Suzy? Non. Enfin, juste une grande personne. Attention! Voulez-vous un jus de fruits pour accompagner vos gâteaux? Quel gâteau? Ceux que tu as pris pour les offrir à tes amis. Oh, Suzy! Que se passe-t-il? On fait partie d'un club secret pour faire des choses en secret et Suzy est allée le répéter à tout le monde. Oh, puis-je faire partie de votre club secret? S'il vous plaît, ce serait pour moi un rêve qui deviendrait réalité. Attention, on n'entre pas dans notre club comme ça. Ah non, vous devez d'abord prononcer le mot de passe. Quel est-il? Ratatin, ratatouillin. Ratatin, ratatouillin? C'est bien ça. Bienvenue au club, madame. Et maintenant, que dois-je faire? Attention! Voilà Papa Pig. Allez-y, parlez à mon papa. Mais surtout, ne lui dites pas un mot à propos de notre club secret. Coucou les enfants. Ah, vous êtes là, maman Sheep. Quoi de neuf? Club secret. Oh non! Oh, j'ai toujours voulu appartenir à un club secret. Puis-je devenir membre? Ce n'est pas possible, papa, parce que c'est interdit aux grandes personnes. Mais ma maman est une grande personne. D'accord, mais il faut que tu connaisses le mot de passe de notre club. C'est-à-dire? Pipa dadou didou dom. Pipa dadou didou dom. Bienvenue au club. Que dois-je faire maintenant? Attention. Voici Maman Pig. Tu dois suivre maman sans te faire remarquer. Papa Pig? Ah, coucou Maman Pig. Pourquoi te caches-tu dans ce buisson? Club secret. Oh!